Edman m'a transmis votre enquête, puisque c'est moi qui m'occupe des recherches sur les échoués. Je vais prélever un échantillon d'eau de votre douche, afin d'étudier les effets que vos fluides corporels pourraient avoir sur un échoué. Il y avait d'autres cobayes qui ont le Dooms. Tout le monde, chez Bridges, Mama et moi. Les résultats jusqu'ici ont été... peu concluants. Mais vous possédez d'autres qualités particulières en tant que rapatrié. Je dois bien avouer que je suis plutôt... optimiste. Traitement des fluides. Des déchets. Du kéralium. Distribution. Prenez cet échantillon avec vous. Si jamais l'occasion se présente, essayez de l'utiliser sur un échoué. Je serai curieux de voir sa réaction. Qui sait, ça vous sera peut-être même utile. J'ai trouvé un vieil article scientifique qui détaille les effets des fluides corporels des gens comme nous sur les échoués. Ce n'est qu'en récupérant ces documents qu'on pourra exhumer les connaissances passées. Pas juste sur le Death Stranding, mais aussi sur les propriétés uniques de votre corps, et même sur le Dooms dont nous souffrons. Il reste peut-être un espoir pour l'humanité. Sam, je n'ai aucune envie de reconstruire l'Amérique. Moi, ce que je veux, c'est retrouver notre passé. Ah, c'est bientôt l'heure. Vous établissez vos connexions qui serviront à rien, et après? J'ai dit « et après !» Sam, désolé de vous ennuyer pendant votre pause, mais je me suis dit que ça vous intéresserait. Ça vous aidera peut-être même à vous détendre. Nous avons reçu un certain nombre de messages à votre intention. Bien sûr, je ne les ai pas lus. Mais il me semble que la plupart viennent de vos clients. Regardez s'ils contiennent des informations utiles. Vous pouvez accéder à votre messagerie grâce à vos menottes, ou bien au terminal de votre chambre privée. Il y a autre chose dont je voulais vous parler. Le réseau chiral nous donne la possibilité de reconquérir notre passé. Les données que l'on pensait perdues à jamais des quatre coins de l'Amérique peuvent être reconstituées à partir de documents fragmentés. Nos archives sont pour l'instant encore en chantier, évidemment. Mais à mesure que nous étendrons le réseau et intégrerons plus de stations et de villes, nous récupérerons de plus en plus d'informations. Comme les journaux et rapports d'expéditions précédentes, par exemple. Tout ce qu'elles ont envoyé a été perdu quand la ville relais centrale a été détruite. Mais nous avons déjà réussi à en récupérer une partie. Vous pouvez y accéder sur les terminaux des chambres privées, ou sur vos menottes. Il vous suffit de sélectionner Archives. C'est une lecture passionnante. Salut, c'est Lo. Je fais une petite intervention au début de vidéo. Comme vous avez pu le remarquer, il y a un problème sur le son. Il y a des craquements. J'ai essayé de les supprimer avec un logiciel, mais rien n'y fait, ça ne veut pas partir. Donc je suis vraiment navré pour ça. Pour les prochains épisodes, il ne devrait pas y avoir ce souci. Moi, je l'espère, j'espère vraiment régler cela. Alors je vous dis, bonne vidéo.
suis la femme au masque qui ne fait que me mentir depuis le début. Sam, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. À propos du niveau de stress de votre bébé, vous pouvez procéder de différentes façons pour réduire les risques d'autotoxémie. Il y a plusieurs choses à faire quand vous voyez que votre bébé n'est pas bien et que son état se dégrade. Quoi par exemple ? Par exemple, prendre le temps de vous en occuper. Bercer la capsule doucement, ce genre de choses. D'ailleurs, juste par curiosité, comment va votre bébé en ce moment ? Avant de vous répondre... Quelque chose ne va pas. Quand je branche mon bébé, je vois des choses. Quel genre de choses ? Une sorte de visage, quelqu'un que je connais pas et qui m'appelle. Il y a aussi une pièce, avec des gens qui parlent, mais je ne comprends pas ce qu'ils disent. C'est l'effet de contamination. Je ne vous ai jamais parlé de ce phénomène ? C'est le fait de confondre les souvenirs du bébé et les vôtres. En d'autres termes, ce sont de faux flashbacks. Je vous explique. Après environ 28 semaines de gestation, le bébé est prélevé sur sa pseudomère et placé dans une capsule. Soyons clairs, tout ça se passe avant la naissance. La procédure interrompt instantanément sa croissance. Il n'a beau avoir que 28 semaines, ses systèmes sensoriels sont déjà suffisamment développés pour enregistrer les stimuli extérieurs. Il est par conséquent largement capable d'encoder ces informations sous forme de souvenirs, qui peuvent parvenir jusqu'à vous à travers votre connexion. Alors, qui est l'homme que j'ai vu ? Sûrement quelqu'un de l'équipe médicale, ou alors un technicien des bébés. Quelle importance ! Ça fait déjà un moment que ce bébé est en circulation. Il est passé entre de nombreuses mains. Comment je pourrais savoir qu'il a particulièrement marqué ? Parce que c'est vous l'expert. Il n'y a pas d'expert, Sam. Les bébés ont été développés il y a des dizaines d'années en secret. En fait, ce ne sont ni plus ni moins que des boîtes noires. On s'en sert, mais on est loin de les connaître parfaitement. J'ai bien essayé d'en apprendre plus, vous pouvez me croire, mais les archives ont quasiment toutes disparu. Si je trouve quoi que ce soit qui les concerne, je vous mets au courant. Vous avez ma parole. Accès autorisé. Toutes les armes resteront désactivées jusqu'au départ. Accès autorisé. Bienvenue, Sam Porter Bridges. J'ai effectué un diagnostic réseau pendant que vous vous reposiez. Le contrôle du Kyralium et les systèmes holographiques sont dormants. Malheureusement, l'imprimante est hors ligne. Je sais, après tout le mal que vous vous êtes donné pour nous apporter les matériaux. C'est entièrement notre faute. On a commandé une pièce il y a un moment, mais elle n'est jamais arrivée. Il nous la faut pour relier l'imprimante au réseau Kyral. Les mules ont dû la voler. Elles ont sûrement attaqué le porteur en chemin. D'après moi, elles ont dû l'emmener sur leur site de déchargement, qui se trouve en plein milieu de leur territoire. Que diriez-vous d'aller leur reprendre ce qu'elles nous ont volé ? Vous êtes le plus qualifié pour cette mission. Mama a ajouté les plans d'une tour de guet à votre CCP. Si vous ne l'avez pas sur vous, pensez à en fabriquer un. On ne sait jamais quand on va avoir besoin de reconnaître une zone.
Cet objet que vous tenez est un collecteur de cristaux. Comme son nom l'indique, vous pouvez y conserver bien au chaud tous les cristaux que vous ramassez. Permettez-moi de vous décrire ce que vous cherchez. Les cristaux qui rourent apparaissent dorés à l'œil nu. Et on les trouve dans des formations similaires à des mains humaines. Les pierres et les débris qui les entourent flottent à quelques centimètres du sol. Et ils abondent dans les régions où les précipitations sont particulièrement élevées. Vous avez retenu ? Pluie, pierre flottante et mains dorées. Les trois signes clés. Cherchez ces trois éléments et vous trouverez des cristaux. Si vous avez été très attentif, vous savez peut-être déjà où chercher. Commande arrivée. Alors, comme l'on fait habituellement dans les autres vidéos, on met une musique du jeu pour accompagner nos livraisons ou nos diverses promenades en nature. Lancement du scan. Scan de l'identifiant de l'IG. Vérification de l'identifiant. Accès autorisé. Toutes les armes restent en reset. Fin de l'interdiction des armes. Scan de l'identifiant Widget. Vérification de l'identifiant. Accès autorisé. Toutes les armes comme les attaques. Accès autorisé. Bienvenue. Sam Porter Widget. Prêt à vous battre.
Avant d'accéder au site de déchargement des mules, pensez à utiliser une tour de guet pour vous assurer de l'emplacement de la boîte de stockage qui renferme nos marchandises. Désolé si parfois je reste un peu fixe comme ça, c'est que je suis en train de lire les nouvelles commandes qui me sont attribuées sur la manette. Voilà, tout simplement.
bien fait ces tours de gueule, puis le bruit à l'intérieur là quand on bouge et tout, c'est vraiment sympa. Au niveau repérage, bon, c'est top quoi. Sont rarement désertés. La discrétion est donc essentielle. Avancez doucement et avec précaution pour minimiser le bruit.
attaques ont été effectuées par des véhicules et des drones autonomes. Tout ce qu'on avait à faire, c'était les regarder faire leur travail. C'était révolutionnaire, quasiment une singularité. Il n'y avait aucune raison que ça échoue. Pourtant, ça a été le cas. Les gens n'ont pas du tout apprécié qu'on supprime le facteur humain de l'industrie du service. Alors, au bout du compte, on l'a réintégré. On a créé des mots dont personne n'avait vraiment besoin, et on les a donnés à des gens qui ne pouvaient pas s'en passer. Après ça, ça a dégénéré. Aujourd'hui, on se farcit des détraqués accro à la livraison qui prennent leurs pieds en détournant des marchandises. Des rapaces toujours à l'affût du prochain porteur. Évitez-les comme la peste. Sur les jambes, c'est vraiment pas évident de contrôler si on ne maintient pas avec les deux gâchettes. Hein. Il a les mains sur le sac pour maintenir droite-gauche, sinon l'équilibre est total. Hein. On tombe pratiquement direct. Mais bon, on est arrivé. Sam, vos chaussures, ça va? Je suppose qu'elles doivent être dans un sale état, étant donné les conditions à l'extérieur. Rien de tel pour vous gâcher la journée que des chaussures qui vous lâchent en pleine mission. Si vous continuez comme ça, il vous faudra pas bien longtemps avant de vous faire mal. J'ai fait en sorte qu'on ajoute des bottes à votre équipement.
C'est le modèle standard de Bridges. Elle devrait parfaitement vous aller. Vous devriez toujours en avoir une autre paire sur vous. Mais si vous oubliez ou vous retrouvez en difficulté, vous pouvez en fabriquer grâce aux terminaux équipant nos différentes installations. Beau travail, Sam. Votre niveau de connexion semble augmenter. Plus votre niveau de connexion augmente, plus vous aurez de ressources à votre disposition au sein de nos installations. Félicitations, Sam. Il paraît que vous avez maintenant accès à une imprimante Kiran. Un appareil incroyablement utile, qui fonctionne uniquement grâce à la manière dont notre réseau exploite la grève, nous permettant de transférer un gigantesque volume de données instantanément. Puisqu'en temps normal, ce genre de transfert prendrait des heures, voire des jours. Certains ont avancé que le réseau Kiran serait, en substance, une machine à voyager dans le temps, qui transmettrait des données dans le passé. Il va sans dire que la nature profonde du réseau et de la grève, dont nous sommes aujourd'hui totalement dépendants, nous échappe encore. Notre rapport à la grève n'est pas sans rappeler celui des premiers hommes avec le feu. Est-elle utile? Certes. Est-elle dangereuse? Assurément. Mais néanmoins, nous avons décidé que le jour valait la chandelle. De plus, les échoués étant reliés à la grève, il va de soi qu'une étude et des expérimentations plus poussées pourraient se révéler très profitables. On pourrait dire la même chose de vous, d'ailleurs. Ne vous en faites pas. Je vous tiendrai au courant de ce que je découvre. Je vous en donne ma parole. Au travail. J'allais oublier de rendre les cristaux Chiro. C'est pour ça que je me suis reconnecté au terminal. Vous avez des cristaux Chiro pour vous? Ces cristaux ne se forment que dans les zones présentant un niveau élevé de kiralium. Du coup, je me demande s'il n'y aurait pas un lien avec l'expansion du réseau. Joli putain. Largement quoi faire des recherches. On en prendra le plus grand soin. Ils seront ajoutés aux réserves présentes sur place. Ces réserves locales comprennent aussi des matériaux que vous pouvez utiliser pour fabriquer l'équipement dont vous avez besoin.
encore surgi. Ça, c'est pour vous. Ça, c'est un spray colmatant pour les caisses de marchandises. Il permet de réparer les dégradations liées aux précipitations. Vous serez content de l'avoir quand vous serez salement malmené. On l'a ajouté à votre liste d'équipements. Il sera donc disponible immédiatement en cas de besoin. À la prochaine. Il y a un lien entre le niveau élevé de chiralium et l'augmentation de la formation de cristaux. C'est peut-être une conséquence de l'expansion du réseau. Mais vous n'avez rien à craindre. La densité chirale locale reste dans les normes acceptables. Si vous en trouvez d'autres, ramassez-les. Vous serez récompensé comme il se doit. Si vous trouvez d'autres cristaux chiro, vous pouvez les déposer dans l'une de nos installations. Vous pouvez aussi déposer d'autres ressources et tout objet qui ne vous est pas utile. Tout a de la valeur. Ce qu'on n'utilise pas tel quel est démantelé et les composants fournis au pôle développement ou affectés à d'autres utilisations. Et voilà, nous voici à la fin de cet épisode. Encore désolé pour le son hein, qui était vraiment craquant, on va dire. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like si ça vous a plu, malgré les problèmes techniques, et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, salut! Story must be told. I was getting fucked up, drinking with the boys. She was in the bedroom, playing with the toys.